Bienvenue sur la chaîne Annie Lorac Photographie. Alors aujourd'hui un peu une vidéo spéciale. En fait je ne sais pas si elle va sortir réellement. On se prépare avec mon épouse à aller récupérer nos enfants. On est en vacances sur l'île de la Réunion, hein, c'est les vacances. Et ça fait à peu près un mois que le volcan est en éruption. Voilà. Et il se trouve qu'on peut voir le début de la lave sur la route. La route des laves, on appelle ça la route des laves à l'île de la Réunion. Et vous êtes en contrebas d'une grande pente où on voit les laves du volcan descendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en expédition. Je dis en expédition, on ne va pas aller crapahuter, prendre le sac à dos et aller sur le volcan. Hein. Donc on va se retrouver avec deux petites filles en bas âge, entre guillemets, la plus grande à 8 ans. Voilà. Mais on va y aller tranquille parce que ça demande à peu près 3 heures de route pour arriver là-bas. Et on va filmer ça un peu, je vais voir. Peut-être qu'en fait, il n'y aura rien à montrer, donc la vidéo ne sortira pas. Et on va voir si on peut montrer aux filles un peu de loin le volcan. S'il fait beau, je testerai le drone. Il faut que je vois, parce que quand on est de la route, ça va, mais on ne connaît jamais la météo quand on remonte la pente. En fait, on ne sait pas comment ça se passe au niveau des laves. On peut se retrouver avec une sale météo en haut. Donc je vais voir. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo, en fait. Je filme peut-être dans le vide. On verra. Allez, tchou! Allez, salut, on se retrouve dans la voiture, on a récupéré les filles. Il est quelle heure? 14h30 à l'île de la Réunion. Ça va les filles? Oui. On va où? Au volcan. Voilà, on va au volcan. Route du littoral, on est sur la route du littoral, on est sur la nouvelle route du littoral. Et on en a pour à peu près 3 heures de route, je pense. Qu'est-ce qu'on pense, ma puce? 2 heures? Ah, mon épouse est plus optimiste. 2 heures de route. Donc voilà, petit point météo. Ça pourrait être mieux. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas la Réunion, on est censé être dans le coin, on a quitté l'ouest. Le coin où il est censé faire le plus de soleil. Et on ne va pas vers là où il fait beau normalement. Donc on va faire un peu, on va longer toute la côte jusqu'à atteindre la route des laves. On refait un petit point tout à l'heure. Allez, tchou! Point info route, on a fait une petite halte, on est sur la commune de Sainte-Rose, on n'est plus trop loin de l'objectif. Jusqu'ici pour l'instant il fait beau, on s'est arrêté à une petite boulangerie parce qu'on risque de rentrer après le couvre-feu qui est à 19h sur la Réunion, et on risque sûrement de rentrer, bon on va rentrer dans le même couvre-feu, hein, vous inquiétez pas hein, les autorités, hein. Mais voilà, on va prendre de quoi manger au cas où avec les enfants. Il faut être prêt à tout. Et les enfants, vous pouvez bouger, mais il faut les nourrir. Donc voilà, allez, on se retrouve sur la route des laves. Et on est peut-être arrivé. Là, ce que filme mon épouse, c'est de la lave. Et on a... Ah, ça y en est arrivé. Alors, on va aller se garer. Par contre, où est-ce que je me gare? Je me gare là. Normalement... dernier mois, au fond, là, dans la brume, il y a des laves, il y a de la lave. Mais, attendez, je suis un peu tout seul, je vais le baisser mon masque. Bon, ben, on voit rien. On voit rien. Bon, ben voilà, 2 heures de route, hein. C'est sympa. On va rester un petit peu sur le site. Alors, j'hésite, je vais peut-être lancer le drone. Le temps a l'air clément, là-haut je suis pas sûr quoi. Le problème c'est que si je lance le drone d'ici et que je l'envoie là-haut et que là-bas il se retrouve sous la pluie, ben, je le retrouve pas quoi, hein. Je vais pas aller le chercher, hein. Voilà, j'irai pas le chercher dans le volcan. Donc on va voir, on va nourrir les enfants déjà, c'est l'heure du goûter. Bon ben voilà, on a pris 2 heures, hein. Finalement ma femme avait raison, toujours écouter sa femme. Allez, on va voir pour le drone, tchou. Ça va chérie, je suis dans le cadre. Alors, on va sortir le drone. Bon, on va voir. Hein. Je voudrais pas le perdre en même temps. Mavic Mini, première génération. Le Mavic.
télécommande. Je vais peut-être lui mettre une batterie, ça peut aider. Et on va voir, je vais pas le risquer, hein. Je vais juste l'envoyer, on verra si la situation météo est pas bonne là-haut, je vais le ramener. Du coup, le drone, c'est un échec total. J'ai pas réussi à l'envoyer en fait, j'avais que des erreurs de transmission. Donc impossible d'envoyer le drone plus loin que, oh, je sais pas, j'ai même pas pu atteindre la première, normalement, ancienne coulée, quoi. Impossible, dès qu'il est arrivé au-dessus de la lave, j'ai plus aucune connexion. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est à chaque fois rentrer à la base. Voilà, c'est tout ce qui l'intéressait, le drone, c'était de rentrer au point de départ. Donc là, ce que je vais faire, je vais traverser déjà. Je vais essayer de retrouver la petite famille qui est partie sur la lave. Je sais pas où. Donc voilà. J'ai pris mon Leica avec le Leica SL2S avec un 90 mm Summicron. Je vais essayer de faire quelques photos. Bon, alors j'ai discuté un peu avec des gens. Ils me disaient que, bon, depuis ce matin, c'est un peu bouché. Et à ce qui paraît, on est sur les derniers moments de la coulée. Bon, voilà. Là, je suis sur la coulée de lave, l'ancienne coulée de lave, évidemment. Sinon, je pourrais pas m'y mettre. Et ce que vous voyez, la lueur... là, juste derrière, au-dessus de ma tête. Là. Voilà, ça. Voilà, ça, c'est le volcan. Actuellement, il fait trop jour, on voit pas rien. On ne voit rien. On voit pas rien, ça. Et on va attendre un peu. Voilà, alors je vous fais un petit peu le tour du proprio. Vous montrer en fait qu'on est un peu ce qu'on appelle du sommet des montagnes au battant des lames, l'île de la Réunion. Ça veut dire qu'on c'est une île montagneuse qui descend sur la mer. Voilà, donc là on est sur un volcan. Et si je me tourne, voilà, on ne voit plus mais on voit la mer. Voilà, ça c'est la beauté de la Réunion. Bon, on aurait pu aller ailleurs. On aurait pu aller sur ce qu'on appelle le pas de Bellecombe à l'île de la Réunion. C'est vraiment là pour le coup au volcan même. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une petite sortie avec les enfants. On en a une, la petite. Franchement, la dernière fois qu'on y est allé au volcan, ça s'appelle pas vomito pour rien. Donc là, on était sur du plat, on a longé la mer, et on est sur la coulée de l'autre côté. Et voilà, c'est plus cool pour les enfants. Surtout que cette semaine, là, il y a eu des dégagements de gaz au niveau du volcan, proprement dit. Donc voilà, c'était plutôt sur un truc, faire une petite sortie cool, sympa. Bon, les enfants, elles sont petites, elles ont apprécié, là, elles vont jouer sur la lave, elles sont contentes. Et après, bon, si on a un petit bonus, on aura peut-être une petite lueur. Là, il faut attendre que le soleil se couche. Bon, comme je vous l'ai dit, on est en couvre-feu, donc on peut pas attendre non plus, on peut pas rester toute la nuit. Voilà, après ça fera une sortie sympa. Je vais voir si je passe la vidéo quand même, parce que bon, en termes d'image, bon, c'était quand même sympa de voir quelque chose. Hein, parce que bon, voilà, je vous dis que je suis sur un volcan, mais et si on voit pas la lave, ça reste de la terre. C'est vrai, ça, sans déconner. Bon, c'est sympa, mais là, ça reste de la montagne, quoi. Donc voilà, bah, allez, je vais attendre les filles, là, elles sont allées se changer. Pour mieux jouer, parce que bon, on a beau être sur l'île de la Réunion, il a commencé à faire froid en fait. On a quitté la côte ouest, là on est sur la côte fraîche, on va dire la côte fraîche. Voilà, on est sur la côte fraîche. Le soleil, quand on va se coucher, il va faire un petit peu frais. L'hiver est en train de rentrer sur la Réunion. Et voilà, bon, bah, tout à l'heure, allez, tchou. C'est vrai que c'est vachement surexcellent, mais il fait beaucoup plus sombre. Ce qui m'y paraît. Bon, on est toujours sur de la lave. Voilà. On sera venu. On aura été vaincu. Vaincu, c'est on n'a pas réussi, ma puce. Ouais, c'est que, ouais, on n'a pas réussi. On a essayé, fallait le tenter. C'était alors, d'après ce que les gens disent, c'est un peu on est sur la fin de la coulée. Mais potentiellement, on aurait pu la voir. On est sur la fin de la coulée, mais elle est là-bas. Voilà, elle est au fond, là-bas. Et potentiellement, même si on est sur la fin de la coulée, ça fait quand même un mois que ça coule.
on aurait pu potentiellement l'avoir. Donc bon, voilà, si vous tapez sur Google, il y a des gens qui ont fait des super plans de drone. Des super plans de drone au-dessus de la lave. Ce que je n'ai pas fait. Je reviens parce que la batterie s'est arrêtée net. Hein. Le Sony, il arrête net la batterie. Il fait ce qu'il veut en fait, il fait sa vie. Il a décidé, j'ai plus de batterie, je m'arrête tout seul quoi. Il prévient même pas. Donc voilà. On est là sur la face. C'est vraiment sur X. Hein. C'est bon. Bon après je vais le laisser parce que sinon, comme je suis noir, on ne verra plus. Du coup, les filles, elles veulent dire au revoir, c'est ça? Tu veux dire au revoir? Non? Spécialement. Tu veux pas spécialement? En fait, pas spécialement, mais juste sur la vidéo. Allez, venez. Ah là! Donc voilà les deux filles. Ça va, Louloute? Bon, on n'a pas vu la lave? Nul. Non? Nul? Oh bah, c'était sympa quand même, la balade. Ouais, bah, c'est nul, on n'a pas vu la lave. On n'a pas vu la lave, oui, ma puce, c'est vrai, on n'a pas vu la lave. Mais bon, on aura l'occasion, on est à La Réunion, hein, la lave, le volcan. Non? Ouais. Bah ouais, allez, c'était chouette quand même. Oui? Oui, ah, merci, ça fait de la route, hein. Il faut revenir après, hein. Les histoires de volcan, de lave, il faut tenter en fait. Tenter. Si, quand vous entendez, il faut y aller. Parfois, vous voyez quelque chose, parfois non. Voilà. Cette année, on a cru que la coulée aurait pu traverser la route et aller jusqu'à la mer. C'est le grand kiff ici. Le grand kiff, c'est que... Bon, alors je vais mettre à part les gens qui habitent dans le coin. Pour eux, ils ne le voient pas comme ça. Nous, on est un peu à côté de tout. On a tous ici à La Réunion ce côté touriste, dès que, même les locaux, hein, je parle, quand la lave arrive et quand le volcan est en éruption, je mets à part les gens qui habitent eux dans le coin, parce qu'il y a des gens qui habitent dans cette zone, qui eux le voient pas comme... Mais voilà, le kiff ici, c'est quand la route, la lave traverse la route et va jusqu'à la mer. Et chaque année, on se dit, bon, est-ce que ça va traverser, est-ce que ça va traverser? Cette année, ce sera pas là, mais bon... On n'est pas à l'abri. Ici, le volcan, il est super actif. Donc voilà. Bon, après, je vais voir si je fais la vidéo quand même. Si je monte la vidéo. Je vais voir, parce que bon, en même temps, on n'a pas vu grand-chose. Bon, moi, perso, j'ai fait une super balade avec la famille. Donc, c'est super. À mon niveau, c'est super. Après, pour la chaîne, je vais voir si je présente la vidéo. Donc, attendez. Ah mince, on dirait qu'on voit. Ah merde, on voit. Mais c'est vrai, en plus. Attends, c'est du live, ça c'est du live. Enfin, vous le verrez en différé, vous, hein. Mais c'est du live. Ok, alors je vais essayer de le montrer. Mais Louloute, profite, hein, regarde. Hein, parce que je sais pas si les nuages... Eh ben ouais, on voit la lave. Yes. Et j'ai... Non, je rigole moi-même parce que quand la lave est apparue, je lui tournais le dos. Donc... Ah, c'est ça, voilà, c'est top. Allez, j'essaye de faire des plans, mais bon, c'est un peu loin. Moi, je le vois visuellement, mais je vais voir si je peux le capter avec la caméra. Allez, tchou. Oh, ça valait le coup d'attendre. Je vous ai pas menti, hein, c'est pas une vidéo fail. Il y a vraiment de la lave sur la rive. Et attendez, je change de main pour regarder l'heure. 6h10, 18h10. Et voilà, la lave est juste derrière moi. Donc comme je disais dernièrement, elle est à 3,7 km. Voilà, là on est tranquille. On va apprécier encore un petit peu. Voilà, il nous reste encore, après il y a le couvre-feu. Mais voilà, les filles sont contentes, la famille est contente. On n'est pas venu pour rien finalement. Bon, de toute façon, on n'était pas venu. Oui, tu as raison, ma puce. Pas pour rien en soi, ça faisait une super balade avec la famille. Mais voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau de la journée. On voit la lave. Allez, tchou, c'est fini pour nous. On va profiter tranquille avec la famille. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. On se retrouve plus tard sur la chaîne. Allez, bye.